Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Wendy Salut. et on va ouvrir ce magnifique coffret Tortank GX collection premium avec le petit carapuce qui est juste là. Donc, je pense que c'est une belle ouverture de booster qui s'offre à nous. On va ouvrir le coffret ici dans un instant et on se retrouve tout de suite avec ce qui s'y trouve à l'intérieur. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve après avoir ouvert ce magnifique coffret. Donc il y a 6 boosters en tout, mais juste avant on va vous présenter le reste du contenu. Donc comme on peut le voir ici, bien il y a le petit code online qui renferme le code du coffret. On le garde bien évidemment parce que vous le savez, on joue également sur le jeu de cartes en ligne. Alors on a ce magnifique Tortank, regardez-moi ça, le Tortank Full Art, il est super canon. Moi, je le trouve super sympa. Et comme on a également Dracaufeu en Full Art, eh bien justement, chacun a son évolution finale préférée de la région de Kanto en carte ultra rare. Donc, c'est magnifique. On a également le petit Carabaf qui est super mignon aussi, avec une chouette vague juste derrière. Et donc, on a le petit Carapuce qui nage à son aise en mode c'est la brasse, tout va bien. Donc, très belle carte également. Comme vous l'avez vu juste avant l'ouverture, il y a également le pins qui est juste ici et que je trouve super sympa aussi. En mode fracasse. Il est vraiment sympa. Et donc le jeton du jeu avec la carte Jumbo. Donc voilà le jeton que je trouve super sympa également avec des belles couleurs. Un beau reflet bleuté sur fond noir, ça fait toujours son effet. Et donc la carte en version Jumbo qui va très certainement finir dans un cadre. Comme vous le savez, parce qu'à la maison, eh bien, il y a aussi du Pokémon en déco. Alors, voici les 6 boosters qui se retrouvent donc dans ce coffret. On a, si je ne dis pas de bêtises, ouais, à ma droite, les boosters de Wendy. À ma gauche, les miens. On va commencer sans plus attendre avec les boosters de Wendy. Et ce premier booster à l'effigie de Melmetal et Lucario. Donc, on espère avoir bien évidemment de la chance. Si on pouvait avoir une petite. Petit Jix, ça serait pas de refus. Alors, le petit code que l'on met sur le côté. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, que la chance soit avec nous. C'est parti. Et on commence avec. Deux duos. Attendez, je vais peut-être rapprocher un tout petit peu. Voilà, la caméra. Parfait. Donc, deux duos. Tita. Fluvetin. Ouais, Fluvetin, ouais. Fluvetin. Excellent. Mimitos. Sympa la carte. Oui. Pourtant, c'est pas un Pokémon qu'on aime bien, mais il est pas mal. Énergie combat. Rhinophéros. Sympa aussi avec Giovanni juste derrière. Oui. Très belle carte. Carabas. Et ben voilà, le voilà de retour. Mélo. Soporifique en riffle. Ouais, pas beaucoup le dessin. Je Non, ça il a l'air vraiment. affolé comme ça Ouais, ça sur fait son arbre. grosse flatte sur son arbre et donc. Pour commencer, ah, on n'a rien d'extraordinaire. On a coup de langue en rare. Il y a quand même 214 cartes dans l'extension, les amis. Je pense que c'est l'une des extensions la plus grande de cartes Pokémon et surtout de Soleil et Lune. Donc, je pense que ça va prendre énormément de temps pour compléter cette collection. Mais en tout cas, dans ce premier booster, on n'a rien. On va donc enchaîner directement avec le second booster de Wendy, un Soleil et Lune de base. Avec Oratoria en effigie. Et est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance dans ce deuxième booster? Le petit code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est parti. Ermite, Fenipan, Bacabou, J'aime bien ce ouais, Pokémon. moi aussi, Nodulite, Je l'avais complètement oublié lui. j'aurais pu le dire moins simplement, Cosmog, Énergie Fée, Oui. Corailon, Ouais, dédicace à Miss Corailon, justement. Repousse, Béquipan, double énergie incolore River. Et La toujours rien. merde. Chelou. Chelours en Il est rare. vraiment chelou aussi. Ouais. Ah bah oui, il est chelou ce chelours. Bon, ben deuxième booster, Bredouille. Est-ce que pour une fois. Oh, pour une fois.
aurais-je plus de chances que Wendy à la fin de la vidéo? Ah, c'est pas vrai. Et ça tombe, on partira bredouille tous les deux. Hein, ça. Ça aussi. Seul le destin nous le dira juste après la vidéo. Alors, le petit code qui est là, on met de côté. On met le booster à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Moi, je suis sûr, ici, sur le dernier booster, ça tombe, elle va nous sortir du lourd, là. Ouais. Comme d'habitude, la dernière carte. Voilà. Tout piqueur de Lola. Et tu profites. Arco. Le vénard. Ah, je suis idiot. Énergie plan. Caratroc. Trio piqueur de Lola. Cours du professeur Horn. Oh. En river. Et même en rare river, elle est magnifique. Regardez cette carte. J'adore l'illustration. Elle partira très certainement dans le portfolio. Et donc, comme dernière carte, eh ben voilà. Ah. Suffisait que je le dise, en fait. Suffisait que je le dise. Et on aura un. Viridium, pas mal. On l'avait pas encore, en plus. Viridium GX, super. Eh ben, pas mal du tout, hein, pour une petite pioche comme ça. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Bon, ben, sympa, super. Ben, on repart avec deux belles cartes en un booster. Donc voilà, je l'avais dit, hein, forcément, à chaque fois, c'est pareil. C'est toujours au dernier booster que Wendy, elle fait... En fait, c'est la Miss Remontada des cartes Pokémon, en fait. C'est le Barça des ouvertures de cartes Pokémon. Donc voilà, ben, on repart avec deux belles cartes. Un Sulfura en Rare Reverse et un Viridium en GX Full Art, en plus. Donc là, je pense qu'on est en train de gagner pas mal de points dans cette ouverture. Allez. Premier booster pour ma part, booster à l'effigie de Rayquaza, voilà l'illustration. Et voici donc le booster avec le petit code. Et le tri habituel, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il ne faudra pas faire d'erreur parce que tout à l'heure, on aura un évolution qui lui se trie en 1, 2, 3, 1, 2. Allez, on est parti, on commence le premier booster avec Poussifeu, Dynavolt, Onyx, Farfuret, Drabi, énergie combat, Masco, échange d'énergie, l'ombre, Gobo en reverse, et première rare, et bien c'est Elexprint en simple rare, rien de folichon dans ce premier booster. Allez, on enchaîne donc ce second booster avec Alliance Infaillible et booster à l'effigie de Melmetal et Lucario. Même illustration que celui de Wendy. Et sans plus attendre, on enlève le petit code online. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez. Allez, est-ce qu'on va avoir du lourd dans ce deuxième booster? Ça pourrait être sympa. On commence avec Caninos, Fantominus, Togepi, Pikachu, Cornèbre, énergie feu, dojo des arts martiaux, très belle carte. Dommage qu'elle n'est pas en rare reverse ou autre, parce que c'est vraiment une très très belle carte, simple mais efficace. Amulette féerique talent, pic qui pique, ok, sympa. Le pic qui pique, voilà. Tentacruel en reverse, belle carte. Et pour finir ce deuxième booster, on va aller chercher Nostanfer en holographique. Pas mal. C'est pas la plus belle carte, mais c'est pas mal. On va pas s'en plaindre. Donc, c'est plutôt cool dans le deuxième booster de finir avec une holo. Et donc, il nous reste un dernier booster. Mm-hmm. Un booster évolution à l'effigie de Mega Tortank. Donc, est-ce que, justement, Mega Tortank va nous porter chance? Donc voilà, comme je vous l'ai dit les amis, c'est un booster de la série XY. Ce qui veut dire que le tri ne va pas être pareil. On enlève le petit code. Et donc le tri ne se fait pas en 1, 2, 3, 4, 1, 2 comme sur tous les boosters de Soleil et Lune. Comme c'est une extension antérieure à Soleil et Lune, c'est 1, 2, 3, 1, 2, tout simplement. Et on est parti avec ce dernier booster. Et donc, vous allez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas cette extension-là, toutes les cartes sont des rééditions du set de base Pokémon. Donc voilà.
Aspico, Electek, Soporifique, Starry, Énergie métallique, Porygon, Détermination d'Ondine, Pikachu Surfer. On a une secrète, les amis. Pikachu Surfer. Je l'avais déjà, mais ça fait toujours plaisir de la revoir. Ouais, c'est vrai que ça craint un peu parce que, en même temps, toutes les secrètes, on les a. Mais, oui, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de revoir une carte. Et surtout, une secrète en vidéo, ça fait toujours son petit effet. Donc, c'est plutôt sympa. Pikachu Surfer. Rattatak en Rare Reverse. Et, comme d'habitude, dans 90% des boosters, Dardarnian en Rare. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. On s'en sort plutôt bien, avec de très belles cartes. Après, bien évidemment, oui, vous la verriez, franchement, on dirait une enfant. Tu es une enfant, Wendy. Tu es une enfant. Wendy qui me montre sa carte, à te dire, j'ai gagné. Allez, on va faire le récap. Bien évidemment, comme dans la plupart des vidéos, Wendy a encore gagné. Ouais. Avec un Viridium GX Full Hard. Très belle carte, franchement. Très content d'avoir... eu l'opportunité de piocher un tel Pokémon. On vient de le voir, j'ai eu Rattatak en Rare River, super carte magnifique dont je suis très heureux. Pikachu Surfer, là ça fait déjà un peu plus plaisir parce que c'est vrai qu'il sort assez rarement, donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit à la description justement? L'été on aperçoit souvent des bandes de Pikachu surfant sur les vagues. Ok, je savais pas ça. On l'a vu en anglais par contre, je suis pas certain, mais je pense. Mais en tout cas, c'est sympa de le revoir. Dans les cartes. Alors, on a eu un Ostenfer en holographique. On a eu un Sulfura en Rare Reverse. Très belle carte. J'aime beaucoup l'illustration. Elle est vraiment badass. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, comme vous l'avez vu, en cadeau dans le coffret, on a un Carapuce en Reverse. Un Carabaf également en Reverse. Et donc, ce Tortank en Full Art, donc voilà, très 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 sympa comme ouverture. Deux Full Art à se mettre sous la main et à ajouter dans la collection. Donc j'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire exploser la barre de like, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, que ça soit sur FIFA, sur Pokémon. Sur plein d'autres thèmes différents, comme vous le savez maintenant, on commence à enchaîner quelques vlogs. Vous l'avez vu avec Belgique Saint-Marin. Dans très peu de temps, on va aller voir un parc d'attractions qui vous fera très certainement plaisir. Et il y aura encore plein d'autres vidéos, notamment du Harry Potter. Ça arrive très bientôt. Pour début décembre, on commence un nouveau thème, donc avec Harry Potter. Et j'espère que celui-ci vous plaira. Nous, c'est ici qu'on vous laisse, les amis. On vous fait de gros bisous. Et comme je vous dis toujours, vos rêves sont les vôtres. Réalisez-les. Gros bisous et à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.